Bonsoir. Qu'est-ce que t'as ? Notre cycle consacré aux tabous de la société française et à la façon dont le cinéma les a abordés. T'as pas sommeil ? S'achève ce soir avec Beau-père de Bertrand Blier, sorti en 1981. Oui, j'y vais. L'héroïne, on est Marion, une jeune fille de 14 ans dont la mère vient de décéder et qui doit alors choisir entre vivre avec son père alcoolique, dépassé par la situation, et son beau-père, doux et affectueux, qui l'élève depuis des années. Son choix de rester avec ce dernier entraînera la nature de leur relation vers les frontières de l'interdit. Embrasse-moi, Rémi. Donne-moi un vrai baiser. Le réalisateur de Buffet froid traite cette histoire d'amour tout à la fois frontalement, mais avec finesse. Il ne cherche jamais le scabreux. Cette absence de jugement moral, a priori, et cette tendance à normaliser une situation hors norme apparaissent encore plus dérangeantes pour le spectateur. Ce coup-ci, tu peux pas me refuser. À l'écran, en racontant en fait la découverte de la sexualité et du monde des adultes par cette adolescente, Blier désacralise en toute sérénité une alliance moralement condamnable. On ose imaginer le tollé que Beau-père susciterait à notre époque. Mais en 81, même si ce film fit évidemment beaucoup parler, le scandale resta limité. Il faut dire qu'avec l'arrivée de la gauche au pouvoir via l'élection de François Mitterrand, certains tabous sautent. La libéralisation des mœurs prend un nouvel élan et l'homosexualité ne sera plus un délit à partir du 27 juillet 82. Nous sommes dans les derniers mois de l'avant-épidémie du sida qui mettra un brutal et tragique point final à une époque de liberté sexuelle. Et nul doute qu'aujourd'hui, un film comme Beau-père connaîtrait bien plus de difficultés à être financé et correctement distribué dans les salles. Plus d'un million de spectateurs sont allés à sa découverte en 81, après sa présentation à Cannes et avant la nomination de Patrick Devers au César du meilleur acteur. Une cérémonie dont, comme à chaque fois, il repartit bredouille, mais qui restera la dernière de sa trop courte carrière. Il se donne en effet la mort le 16 juillet 1982. Tu es un salaud. Je suis seule dans la vie. J'ai que toi. Tu me repousses, je vais en crever.